kila jambo lenye linafanyika analiona na macho lakini hayuwe chenye kinacha linafanyika. Mais quand un homme voit quelque chose, il voit seulement avec les yeux mais il ne connaît pas sa cause. Lakini kila kitu kinachofanyika Mungu anakuwa anajua sababu yake. Dieu connaît la cause de toute chose qui se fait. Kuchikuna zala watoto wanakufa. Kati enfante les enfants et que les enfants meurent. Acha kuzozana na washirani. Ne pate chamaille avec les voisins. Acha kuzozana na jamaa. Ne te chamaille pas avec la famille. Anajua sababu. Dieu connaît la cause. Uchichuruza unaombea kwenye wengine wanafaidiwa. Tu fais le commerce et perdre là que les autres trouvent le profit. Watu wanakuja wanakwambia chenye kinaacha unaomba ni kwa sababu jirani yako ni wa kabila fulani. Les gens viennent te dire et la cause de ta perte est que ton voisin est na wakati unamsalimiaka asubuhi ni watu wenye wanapoka na mkushi. Et quand tu les salues le matin ce sont les gens qui ont la guigne. Les mensonges. Mungu anajua sababu. Dieu connaît la cause. Neno ya jioni ya leo, la parole de ce Mungu soir anajua sababu. Dieu connaît la cause. Ukienda mubarabara unakamata moto. Si tu pars en route après avoir pris la moto, tumemaliza mwezi huku narudia na rapport. Peut-être tu réalises tout un mois à rentrer avec akose un umemaliza mwaka unarudia na rapport. Tu rentres avec un rapport pendant mais leo unaenda mubarabara unarudia zero. Mais aujourd'hui tu pars en route tu rentres mais bredouille. Moto umetia karibira. Tu as mis du carburant dans la moto. Les clients sont à la route. Mais personne ne te signale. Mungu anajua sababu. Dieu connaît la cause. Ukiona unagonjwa, si tu tombes malade, unaenda mu hôpital. Tu pars à l'hôpital. Benye unakutana ndani. Les gens que tu retrouves là-bas. Wanatoka. Sortent. Benye wanakukutana. Et ceux qui viennent après toi. Wanakuacha ndani. Te laissent là-bas. Jumi naisha. La semaine passe. Mwezi naisha. Un mois passe. Miaka tatu naisha. Trois ans passe. Unatoka mu hôpital unaingia mwingine. Tu quittes dans un hôpital pour aller dans un. Acha kukata tumaini. Ne désespère pas. Ile magonjwa yako. Cette maladie à toi. Mungu anajua sababu. Dieu en connaît la cause. Lazare kagonjwa. Lazare souffrit. Wametupatia dakika 40. On vient de nous donner 40. Lakini hatutazifikisha ndani. Nalo pale terminer. Lazare kagonjwa. Lazare souffrit. Wakati Lazare aligonjwa. Ika Lazare tomba malade. Alikuwa mpendwa wa Yesu Kristo. Il était le bien-aimé de Jésus Christ. Yesu alikuwa pasteur. Jésus Christ était le Lazare alikuwa mshiriki wa ile kanisa. Jésus Christ Lazare était membre. Wadada wake wawili Maria na Martha. Ses deux sœurs Marie et Martha. Walikuwa washiriki wa ile kanisa. Était membre de cette église. Wakati ndugu aligonjwa. Wakatumana mjumbe. Ils ont envoyé. Wende uambie Yesu Kristo. Allez dire à Jésus. Ya kwamba ndugu yetu atiwa mpendo wake anagonjwa. Notre frère qui est à la fois son bien-aimé est malade. Kuliko Yesu kuye. Au lieu que Jésus vienne. Yesu katumana mjumbe. Jésus a envoyé. Wende uambie ya kwamba ndio anagonjwa. Oui, il est malade. Lakini magonjwa yenyewe anagonjwa. Mais cette maladie. Haiko magonjwa ya kumuua. N'est pas une maladie mortelle. Ni ili. Mais c'est pour que Mwana, les fils de l'homme, Mwana wa mutu, ili aweze kutukuka. Pour qu'il soit glorifié. Umbe, unaweza jaribiwa. C'est-à-dire tu peux unaweza kutana na shida. Tu peux raconter. Unaweza kutana na magumu. Tu peux raconter. Kumbe ile magumu yenyewe nakupata. Andake da. Una chenye Mungu ikanatafuta. Retrouve. Biblia inasema. La Bible déclare. Hakuna jaribu yenyewe itafikia mwenye kuamini. Aucune tentation ne yenye kuwa zaidi ya imani yake. Qui est au-dessus de sa foi. Kama jaribu itakuya. Si la tentation. Mungu ninamshukuru. Je remercie le Seigneur. Anaanza pima degré ya imani yake. Teste d'abord les degrés de ta foi. Et quand il trouve les degrés de ta foi, c'est là qu'il accepte l'arrivée de la tentation. Il connaît que c'est que Mapendo n'a pas patienté. Mapendo va encore à supporter. C'est que Mapendo va encore à supporter. Parce que nos tentations, nous sommes destinés à la tentation. Mais nos degrés sont différents. Pourquoi Dieu en connaît la cause. Yesu naika napita. Jésus quand il passait. Wanafunzi wakamwambia. Les disciples lui dirent. Mwalimu. Maître. Ona ule mwanaume. Voilà cet homme. Amekuwa mwanaume. C'est un homme. Yeye ni kipofu. Il est aveugle. Amezaliwa ni kipofu. Il est né étant aveugle.
miaka 10 ni kipofu. 10 ans est aveugle. Amekuwa mwanaume ni kipofu. Voilà, c'est un adulte est toujours aveugle. Dis-nous. Ni yeye mwenye alifanyaga zambi? Et c'est lui qui avait fait les péchés. Wala ni wazazi wake wenye walifanyaga zambi? Ou ce sont ses parents qui avaient fait les péchés. Ili azaliwe na iko kipofu. Pour qu'il naisse et aveugle. Alléluia! Alléluia! Yesu akasema. Et Jésus répond. Yeye hakuna zambi. Lui n'a pas fait de péché. Na wazazi hakuna kosa. Même les parents n'ont pas fait de péché. Mais chenye kimeacha nazaliwa na iko kipofu. C'est qu'il a poussé, c'est qu'il naisse et aveugle. Anakuwa mwanaume na iko kipofu. Et qu'il grandisse et aveugle. Ni kupitia ile upofu yake. C'est pour qu'à travers son aveuglement, ionekane juu yake. L'œuvre de Dieu soit rendue manifeste. Ninashukuru Mungu. Je remercie Dieu. Kumbe mambo yote. C'est-à-dire que toutes les circonstances, Dieu connaît la cause. Kanisa ikaendelea. Et l'église a continué. Kumbe kulikuwa village moya yenye iko mu bapagani. Il y avait maintenant un village où il y avait des païens. Mungu akasema. Et Dieu a dit. Kusema hawa watu waokoke, wataokoka yeye. Pour que ces gens soient sauvés, comment ça va se passer? Oya huyu frère. Et maintenant ce frère agonjwe qu'il tombe malade. Nyaka 8 ans. Wita. Wote na habako banamuona inje. Ka les autres ne le verront pas. Ni kimponya. Ka je vais le guérir. Aba baturage barakizwa. Ces gens, ces villageois seront guéris. Matendo ya mitume. Les actes des apôtres. Sura 9. Chapitre 9. Mstari wa 31. Et chapitre 30 verset 31. Na 10 mpaka 35. Et jusqu'au 35e. Bigira na mulomba. Bigira e mulomba. Basi makanisa wakapata starehe katika Yudea yote na Galilaya na Samaria, wakajengwa wakiendelea katika oga wa Bwana na katika faraja ya Roho Mtakatifu wakaongezeka. Ikakuwa Petro alipopita pande zote akateremuka kufikia watakatifu waliokaa katika Luda. Akaona kule mtu mmoja jina lake Ainea aliyelala kitandani miaka 8, maana alikuwa amepooza. Petro akamwambia Ainea, Yesu Kristo anakuponyesha, simama utandike kitanda chako. Pale pale akasimama, na watu wote waliokaa Luda na Saroni walimuona wakageukia kwa wakageuka kwa Bwana. Amen. Mulomba. Nukitorero ryose ryari Yudaya hose ni Galilaya ni Samaria rigira amahoro rirakomezwa kandi rigenda ryubaha umwami Yesu rifashwa n'umwuka wera riragwira. Ndio. Nuko Petero ajya hose kubasura ajya no kubera batuye Iluda asanga y'umugabo witwaga Ainea wamaze imyaka 8 atava kuburiri kuko yararemaye. Petero aramubwira ati, Ainea, Yesu Kristo aragukijije, haguruka wisasire. Uwo mwanya arahaguruka. Abatuye Luda ni Saroni bose bamubonye bahindukira umwami Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Mungu akaona ya kwamba ili wajeukie Jésus, Dieu trouva que pour que ces gens convertissent, inaomba Ainea agonjwe. Il faut que Ainea soit malade. Miaka 8. Pendant 8 ans. Anaugua. Il souffre. Kumbe mwa ile magonjwa yake. Mais dans sa maladie, Mungu anajua sababu yake. Dieu connaît la cause. Awa wazeni watemwe. Ces vieux sont des témoins. Mungu akaona. Jésus, Dieu. Kusema kanisa halisi lifike ndani ya mushi ya Goma. Pour que la véritable église itafika ndani ya mushi ya Goma na muna gani? Comment va-t-elle arriver à Goma? Kweli ifike ndani ya mushi ya Goma. Pour que la vérité arrive à Goma. Mbele Yesu Kristo arudie. Avant la venue de Jésus. Kanisa halisi ikuwe ndani ya mushi. Que la véritable église soit. Oya batumishi bakose usalama ku interieur. Les serviteurs vont manquer maintenant la paix là au village. Ata tungeomba. Même si on devait. Mungu leta usalama. Dieu amène la paix. Mungu angeleta usalama. Dieu ne pouvait pas. Kwa sababu ndani ya insécurité. Parce que dans l'insécurité. Kuna chenye Mungu alikuwa anatafuta. Il y a ce que Dieu cherche. Mimi nitasema. Moi je vais Mungu dire. Mungu pewe sifa. Oh Seigneur. Kwa ajili ya ile. Leo
tunapatikana jina la Bwana lipewe sifa. Bakaenda Mugongo. Ils sont partis à Mugongo. Mugongo bakatoka kule. Ils ont quitté Mugongo. Bakaenda wapi na wapi? Ils sont allés. Kumbe Mungu ikanakaritire. Anasema muhangaike, lakini mwa ile mahangaiko mimi niko ndani mavuno. Ile mavuno ni gani? Ile mavuno ni ya kwamba Mungu wa mbinguni anatumana watumishi leo wanatuletea neno la kweli. Wakati havingewezekana. Pendant que ça c'est date woniti. Sasa vile niletwa na nini? Mwa ile yote. Da tout cela. Mungu alikuwa anajua sababu. Dieu savait la cause. N'est-ce pas vrai? Comment vont-ils me connaître? Pour qu'ils me connaissent, Daniel. Daniel. Va dans les trous au lieu, la fosse au lieu. J'arrive à cette cosaque. Les preuves ne manqueront jamais. Les problèmes ne manqueront jamais. Batati ya kuwe bulozi na ujua na dawa ya panya. Utaramukaka asubuhi. Te reverra un bon matin. Utane maite kumurango. Et tu trouveras une dépouille mortelle devant ta porte. Hii maite nakosa inatoka wapi? Cette dépouille mortelle vient d'où? Mungu anayua sababu. Dieu connaît la cause. Kusikuwa wa kuomba. Que personne ne prie. Kila mtu. Tout un chacun. Asiombe mwingine Mungu. Qui ne prie aucun autre. Daniel akasema. Et Daniel a dit. Mimi siwezi omba mwingine. Moi je ne peux pas adorer Mungu Jehovah. Si ce n'est pas Jehovah. Daniel angala naomba. Quand Daniel prie encore. Les accusateurs l'ont. Wakabeba habari mbele ya mfalme. Ils ont amené l'information. Mfalme akasema. Et le roi a dit. Mbona Daniel ninamupendaka? Mais moi j'aime. Na Daniel banamutia ako. Est-ce que ni kweli? Est-ce que c'est vrai? Enquête za mfalme. Les enquêtes. Akakutana ni kweli. Il a trouvé qu'il a fait mal à sauver. Ceux qui sont venus à Daniel ont dit cela est impossible. Voici même sa signature. Voilà la signature de Mèdes et Perses. Maintenant comment ça va se passer? Et le roi a dit Daniel, accepte d'aller dans la fosse au lieu. Le Dieu céleste savait ce qu'il cherchait dans le problème de Daniel. Daniel est au lapin. Wakati wanamkamata wakamutia ndani ya tundu la simba. Lamida la fosse. Wangali wanamutia ndani ya tundu la simba. Onemete encore dans la fosse. Mungu akatumana malaika. Mbele Daniel afike ndani akakutana mwingine amemtangulia. Afa que Daniel ne tombe dans la fosse. La précéder. Ne pas se kuogopa. Ne pas aliye saidia Daniel. Jo Mungu mwenye ametuita. Jo Mungu mwenye kukusanyika naye. Anayua sababu yavyo. Il connaît la cause. Daniel wakati alifika mtundu la simba. Et Daniel est arrivé dans la simba zilikuwa zimeshinda njala. Le lion avait passé Daniel la journée sans manger. Daniel alifika mule msimba. Et lorsque Daniel est tombé dans la fosse au lion, akakamata simba. Il a pris le lion. Aifunguru munwa. Il a ouvert sa gueule. Harja intare igeraga menya ngahe. Ah, le lion a combien de dents? Ah, ibishiginyo. Oh, le molaire. Na menyo kimbere. Et le gine. Kumbe uchaliko gangana. Sensitive. Anakamata ya pili. Il prend les cartes. Jusqu'à ce que Daniel passe la nuit avec les lions et aucun lion n'est là touché. Le preuve qui arrive de toi. Dieu t'assiste. Toutes les circonstances, Dieu connaît la cause. Et le bon matin, le roi s'est il a manqué la paix. Et quand le roi est venu jusqu'à la porte du trou au lieu, il a demandé au Daniel, c'est où le monde a mis pour l'inda. Daniel a